Salut à tous, très très bienvenue dans ce nouveau tuto de guitare. Aujourd'hui, un gros classique du groupe AC/DC, AC/DC, avec ce titre « You Shook Me All Night Long » de 1980 et de l'album « Back in Black ». Hein, bon, alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ampleur de l'album « Back in Black », mais donc album où figurent déjà les titres « Hell's Bells », le morceau « Back in Black », et c'est quand même ce single « You Shook Me All Night Long », donc un titre plutôt majeur, alors très rock, hein, bien sûr on est dans du rock, hard rock, plutôt donc je vous dis vraiment à sonorité très très majeure, comme ça très, très optimiste, très positive. Vite fait pour la petite histoire, c'est vrai quand même, il faut dire que c'est le premier album d'AC/DC avec Brian Johnson au chant, donc leur nouveau chanteur si on peut dire, là ça commence à faire longtemps, mais effectivement, c'était le gars qui arrivait comme ça pour remplacer Bon Scott au pied levé. Alors Bon Scott était décédé malheureusement en 1979, et je crois que peu de temps avant, alors c'est ça qui est hallucinant dans l'histoire de ce groupe, il avait pris les gars de son groupe à témoin, en leur désignant Brian Johnson, vous imaginez, hein, donc je crois qu'il a vu Brian Johnson à la télé ou sur scène, et en tout cas il a dit au groupe, « Voyez les gars, si un jour il m'arrive un truc, ce mec-là pourrait me remplacer. » Donc c'est complètement hallucinant. À croire qu'ils l'ont vraiment écouté, hein, voilà. Quand Bon Scott est décédé, Brian Johnson a reçu par son manager une sorte de convocation, et il a été avisé, d'ailleurs sans connaître le nom du groupe, il était juste invité à une audition, voilà. Donc bon, il espérait que ce soit peut-être AC/DC, hein, il savait juste que c'était un gros groupe australien, bon, il s'est pointé à l'audition, c'était bien AC/DC, voilà. Et aujourd'hui, Brian Johnson est toujours le chanteur d'AC/DC, ça fait donc 43 ans. Alors on va se mettre au travail sur cette chanson. On va dire que parmi les morceaux d'AC/DC, on est quand même sur un titre assez simple. Voilà. Après, pour les amateurs du groupe, normalement vous savez déjà que ouais, mais AC/DC, même quand c'est simple, ça reste toujours très exigeant au niveau, bien sûr, de la mise en place rythmique. Alors là, faut pas mettre les trucs à côté. Hein. Vous allez me dire, faut jamais les mettre à côté, mais là, vraiment, dans AC/DC, on a un son assez puissant. On a des accords ouverts, très très sonores, hein. Vous voyez quand il y a du sol 5 comme ça, du G5, c'est quand même, ça, c'est très large quoi. Donc précision rythmique, il vaut mieux être accordé au rasoir, et en effet quand même une certaine exigence au niveau du type d'accord. C'est vrai que voilà, on doit enchaîner des accords, mais hyper complets, comme vous avez vu, hein, des accords un peu folk. Il y a du sol 5 comme ça, du ré à 4 cordes, okay, du do sus 2, voilà. Et donc, là, comme ça, ça paraît pas méchant, mais effectivement, on va voir qu'il y a quelques enchaînements un petit peu violents, notamment le premier enchaînement du riff principal. C'est vrai que beaucoup de gens auraient bien envie de jouer You Shook Me, enfin le main riff, hein, le riff principal, en passant en deuxième accord par un Do, comme ça, une sorte de Do sus 2. Et non, alors là, désolé pour la mauvaise nouvelle, mais vraiment, dans l'original, c'est vraiment un Do majeur, normal, classique. Eh oui, donc ça c'est vrai que ça nous arrange pas trop. Quand on vient d'un sol 5 ici, il va falloir faire Do, Do, Sol, Do, Sol, Ré. Voilà, bon, on en reparle tout à l'heure. Voilà, en tout cas, c'est vrai que, bon déjà moi j'aime beaucoup ce morceau depuis très longtemps, et je n'aime pas trop les versions trop simplifiées. Donc pour cette version, je vous propose pas spécialement une version simplifiée. Voilà, je trouve que ça n'a pas de sens sinon. Juste une précision avant de commencer. Sur le jam along, j'ai joué la ligne du haut, la partie Angus Young, ok, guitare 1, voilà. Et j'ai joué cette version sur les deux guitares. Alors, c'est quasiment le cas, hein. En réalité, vraiment, la partie Malcolm joue pratiquement la même chose que la guitare 1, mais pour ceux qui seraient vraiment amoureux de la version expert, vous avez la deuxième ligne de tablature, donc qui correspond aux parties Malcolm Young. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup de détails qui varient, mais il y en a quand même quelques-uns, si on a le temps et la mémoire pour fixer tout ça. Ok ? Alors on est parti, on va commencer dans l'ordre des parties du morceau, et en ce qui concerne les accords, on va les voir aussi à chaque fois qu'ils se présentent. Alors c'est parti ! Alors on va commencer par l'intro. Donc à l'intro, on entend surtout une guitare, et là le motif que je vous propose vraiment fait comprendre l'intro. En vérité, il y a quand même une petite deuxième guitare, il y a une présence, on va dire, de deuxième guitare qui joue un petit peu des croches, derrière. Donc pareil, vous l'avez sur la tablature si ça vous intrigue. Alors cette première guitare d'intro commence par l'accord Sol 5, mais alors celui-ci, là pour une fois, il est vraiment résumé à la corde de Sol en 7e case, avec la corde de Si en 8e case, et la corde de Ré à vide. Ok, voilà. Donc là, on a une première attaque sur le premier temps. Cet accord va durer quasiment 4 temps,
En fait, on rajoutera la dixième case de la corde de si qu'on jouera sur le et du 4 de la première mesure. Donc, en toute logique, on aurait ça. 1, 2, 3, 4, et. Ok ? Alors, pour plus de ressemblance, on peut faire vibrer un petit peu l'accord. C'est vrai qu'une fois qu'on est placé, là, on peut faire... Ok ? Alors ensuite, on rentre dans la deuxième mesure. On laissera juste passer le premier temps. Hein, donc, si vous voulez, cette note 10 est liée avec le premier temps de la deuxième mesure. Par contre, on va rejouer tout de suite après, à partir du et du 1 de la deuxième mesure, ce motif-là. Ok, alors là, au niveau solfège, en tout cas au niveau placement en croche, c'était et 2, et 3, et 4, et. Ok, alors et 2. Je répétais la corde de si. Le et du 2 joue la corde de sol, comme un peu un arpège, quoi. Et 2, et. Alors ici, je vais revenir sur la corde de si pour le 3 et faire un pull-off 8-7. Ok ? Donc ça, c'était le 3 et. Pour l'instant, on a ça. Et 2, et 3, et. Il manque 4 et déjà. Alors 4, ce sera la répétition de la corde de sol. Et le et du 4 sera la corde de ré à vide. On va rajouter l'accord d'arrivée sur le 1, donc le premier temps de la mesure 3. Et là, ce sera le Ré 5 qu'on connaît, vous savez, Ré 5 basse La. Donc là, on a la corde de La à vide, la corde de Ré aussi, la corde de Sol en deuxième case, et la corde de Si en troisième case. Ok ? Par contre, pas du tout de corde de Mi grave sur cet accord. Ok ? À ce moment-là du morceau, on peut ne pas encore ajouter la corde de La. Si vous voulez, vous pouvez y aller juste basse Ré. Du début, on a tout ça. 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, et 1. Ouais. Donc là, on atterrit en Ré 5 sur un 1, et il s'agit aussi du premier temps de la mesure 3 de l'intro. Okay ? Alors cet accord Ré 5 va durer 3 temps, et ensuite on a un rendez-vous sur le 4 et le et du 4 de cette troisième mesure. Donc, Ré 5, 3 temps, 1, 2, 3, 4, et. Ok, 4, et. Alors, sur la tablature, il est plutôt indiqué par un petit bend sur l'accord de Ré en troisième case, un petit bend d'un demi-ton. C'est vrai qu'on peut le faire comme ça. Je trouve, moi, qui me retarde un peu et qui me... Bon, je le trouve pas super confortable, je préfère le faire en slide, comme ça, d'un demi-ton, placé exactement pareil, hein, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de valeur, là, c'est juste un effet. Donc ça se place quand même sur le 4. Et là, je fais 4 et. Ok ? Là, on a une nouvelle arrivée. Hein. On vient de faire 4 et. Oui, d'ailleurs, pour ne pas rater la position du Ré 5, c'est pas mal si on choisit le slide de le faire à l'annulaire. Avec le troisième doigt, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour se replacer et pour atterrir en Ré 5. Ok, donc 4 et. Donc le Ré 5 est revenu là sur le et du 4. Il va durer deux temps, donc les deux premiers temps de cette quatrième mesure d'intro. Ok ? Et à partir du et du 2, on va avoir un nouveau motif. Il faudra jouer ça. Donc finalement, j'ai refait le même slide. Mais cette fois-ci, il est décomposé en deux croches. Ok ? Puis je passe par la troisième case de l'accord de si. Et la deuxième case de l'accord de sol. Pour jouer ensuite en troisième l'accord de ré à vide. Donc la figure entière fait ça. Ok, je peux mélanger les notes à cet endroit-là. C'est... plutôt joli si ça se mélange et si ça sonne un peu comme un arpège. Alors à partir de la fin de la troisième mesure, on a eu donc E4, 1, 2, et. Ok, en comptant les croches, E4, 1, 2, et 3, et 4, et. Alors, récap des quatre premières mesures d'intro. Donc là, j'ai continué volontairement, et vous avez pu voir que la deuxième moitié joue exactement la même chose, et que là, il n'y a plus du tout de réponse. Hein, il n'y a pas de motif de lead, il n'y a pas le E4, ni le E3, E4, il n'y a plus ça. Donc là, on jette plutôt un gros Ré 5, qui peut d'ailleurs être renforcé par une basse La, et ce Ré 5 va durer deux mesures, donc carrément 8 ans. Ok ? Donc il va vraiment se terminer en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, à
Après, vous avez l'appel de caisse claire qui marque le quatrième temps, juste avant donc d'attaquer le riff principal sur le premier temps. Récap de toute l'intro. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et... Bon, si on est vraiment dans le détail, on peut dire, c'est un peu dur à faire, mais qu'effectivement le volume n'est pas encore ouvert à fond pour ce passage d'intro, qui est quand même très 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 soft. Et justement, on entend un petit peu dans l'original, en tout cas, qu'il monte le potard de volume pendant la durée du dernier S5. Hein, y a moyen de... Bon là, je peux pas trop vous le faire, mais enfin, j'ai essayé de le faire au jamelon, mais... 1, 2, 3... Bon, en plus, il crachouille un peu, mon potard de volume. Bon. Alors on arrive déjà à la deuxième partie de ce morceau, là c'est le riff principal, ok, on dit main riff en anglais, et ce main riff, c'est ça qui est vraiment bien dans la CDC, joue vraiment toujours exactement la même écriture, donc ça c'est génial parce qu'il n'y a pas, vous savez, les petites variations en pop, des fois ça n'arrête pas de changer, là non. Alors je vous donne tout de suite les trois accords qui composent ce riff, donc on a un sol 5 comme je vous ai montré déjà tout à l'heure, hein, on appuie que la troisième case de l'accord de si et que l'accord de mi en troisième case. On cherche à étouffer complètement le son de l'accord de la à vide, et on a ça. Ok. On oublie aussi le son de l'accord de mi aigu. Pas très souhaitable là-dessus. En tout cas, si jamais on doit attaquer quand même mi aigu, il vaut mieux à ce moment-là poser aussi le sol aigu, donc la troisième case de l'accord de mi aigu. Ok. Alors, deuxième accord de ce riff, je compatis déjà. En effet, on a un vrai Do majeur. Okay. Accord que vous connaissez depuis le début. Et qui là va être un petit peu difficile à enchaîner après un sol 5 comme ça. Effectivement, okay, il va falloir vraiment préparer le terrain, le travailler un petit peu en amont. On terminera pour ce riff avec un Ré 5, donc comme je vous disais, tantôt on l'entend basse Ré, deuxième case de corde de sol et troisième case de corde de si. Très souvent on l'entend aussi avec une basse La en renfort hein, qui donne la quinte inversée. Ok ? Alors, le placement rythmique déjà de la première mesure de ce riff. Alors cette première mesure commence assez simplement, on a le sol 5 qui dure un temps et qui se place sur le premier temps, donc 1, 2, 3, 4. C'est vraiment bien d'arrêter la résonance de l'accord vraiment pile sur le deuxième temps, ok ? 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors ensuite on ira jouer notre Do majeur sur le et du 4 de cette première mesure. Ok, pour l'instant, 1, 2, 3, 4, et sol, 2, 3, 4. Ouais. Alors vous avez vu que l'attaque d'avant, j'ai montré le aigu 4 en attaquant vers le haut, hein, et là je viens de la jouer vers le bas. Alors c'est vrai qu'il y a débat sur pas mal de chansons d'ACDC, c'est est-ce que ça se joue en aller-retour ou en aller simple. Moi je pense que ça se joue vraiment en croche, en aller. Hein. On est sur un tempo 130, qui même un peu moins de 130, ça dépend des moments, qui permet tout à fait de tenir ce débit en croche, et au moins on a un peu plus le, si vous voulez, le son du style. On a une intention beaucoup plus rock. Voilà. Alors ça n'empêche pas, des fois, pour certains rendez-vous d'accord, de préférer un petit aigu 4 vers le haut. Mais si vous voulez, moi j'ai quand même cette gestuelle-là pour ce riff. Je le pense en croche en aller. 1, 2, 3, 4. Donc je peux très bien mettre mon Do en aigu 4 en bas, mais parfois je vais alterner, donc il y aura eu une attaque en haut pour un petit contretemps, et juste après je reprends quand même une gestuelle en croche. Bon, vous allez me dire, il faut savoir le faire, mais... Donc je reviens à cette première mesure, donc sol sur le premier temps, et le aigu 4 en Do. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors on arrive à la deuxième mesure de ce riff principal, on va répéter notre Do majeur sur le aigu 1. Ok, donc pour l'instant ça fait 1, 2, 3, 4, ok, là je l'ai bien répété en aigu 1. Sur le deuxième temps, je repasse en sol, hein, donc je vais avoir E, E, Do. Et oui, cet enchaînement n'est pas hyper facile. Faudra arriver à faire le E du 1 en haut et le D tout de suite après, en sol. Ok, donc pour l'instant, on a ça. 1, 2, 3, 4. E, E, Do. Pour le troisième temps, je repasse en Do. 3. Sur le quatrième temps, je repasse en sol. 4. Et sur le E du 4, je passe en Ré 5. Ok, donc à la fin de mesure, on a Sol, Ré. Ok, 4 Ré. Récap de cette deuxième mesure, à partir de l'arrivée du Do en Ré du 4 de la mesure 1, donc 4 Ré, Ré, Do, 3, 4 Ré, 2. Et j'arrête d'ailleurs ce Ré, pareil hein, comme tout à l'heure sur le deuxième temps, mais cette fois-ci de la mesure 3. Depuis le début, on a tout ça. 1, 2, 3, 4, Sol 5, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Un chouïa plus vite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ce dernier essaim qui est arrivé en et du 4 de la deuxième mesure, et là il se passe presque rien dans la troisième mesure, enfin, sauf qu'on doit rejouer le et du 4, et là cette fois-ci en sol. Donc, je vais aller jusqu'à la fin de mesure 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc là, on arrive en quatrième mesure. Je répète le sol 5 sur le et du 1. Donc depuis la fin de troisième mesure, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et je termine cette quatrième mesure en jouant les trois accords suivants sur les temps 2, 3, 4. Ré 5, sol 5, et re, ré 5. Ok ? Donc récap des 4 mesures de ce main riff. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Alors le riff principal, pareil, deux fois, mais vitesse originale. Attention, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors dans ce morceau, les couplets durent à chaque fois 4 riffs entiers de 4 mesures comme je viens de vous faire. Donc nous, là, pour le récap, on venait de le jouer deux fois de suite. Il faudra le faire, donc, au total, quatre fois de suite. Bien sûr, comme très souvent, il y a un événement au quatrième tour, pour, en fait, si vous voulez, pour nous amener au refrain. Donc, cette transition jouera d'abord le riff normal pendant deux mesures, et regardons tout de suite ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Voilà, on a quasiment, je vous dis, le même riff pendant deux mesures. On a 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, 3, 4, et... Jusque là, c'est vraiment pareil. Donc là, on arrive, comme d'habitude, en ré 5 sur le et du 4. Et on va le répéter en croche, alors là, vraiment en croche vers le bas, à partir du et du 1 jusqu'au et du 4. Le et du 4, lui, passera en sol. Bref, on arrive en ré comme ça. 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Ok, ça, c'est hyper important. 1, 2, 3, 4, et... Voilà. Alors pour terminer ce quatrième cycle avec la quatrième mesure, ok, je suis bien arrivé en sol sur le et du 4, et là j'ajoute plus que sur le deuxième temps de cette quatrième mesure le ré 5, sur le troisième temps le sol 5, et en quatrième temps encore le ré 5. Ok, tout ce quatrième cycle donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Le quatrième cycle à vitesse normale, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 3, 4. Alors, c'est le moment de rentrer au refrain de la chanson. Donc on arrive une fois de plus en sol 5 sur le premier temps, mais sur ce premier temps on va jouer plutôt la basse toute seule et on attend en fait le deuxième temps pour... D'ailleurs on a le temps de compléter l'accord, hein. Là, on peut... En fait c'est vraiment bien d'avoir surtout le réflexe de je pose ma fondamentale tout de suite sur le premier temps. En gros, donc après je reforme mon sol 5 et donc l'accent, je vous disais, a lieu vraiment sur le deuxième temps. Donc vraiment le refrain commence 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 4, et... Alors en et 4, vous avez vu, j'ai fait la petite montée sur la corde de la. 0, 2, 3, la si do. Ok, depuis le début, 1, 2, 3, 4, et. Alors ici, je commence à former l'accord do sus 2. Hein. Et là, donc, alors on peut étouffer l'accord de ré dans cet accord, vraiment, là. En tout cas, là, on n'a pas besoin dans la partie. Donc je suis arrivé sur cette note sur le et du 4, ok, ma basse de do. Et là, je vais arpéger les cordes sol et si. Placé respectivement sur le et du 1 et sur le deuxième temps de la deuxième mesure. Pas de panique, ça nous fait 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2. Ok ? Et 2.
Juste après, j'ai quand même une autre attaque. En fait, ma basse change. Donc là, j'étais en Do. Je passe en Si, deuxième case. Okay. Donc là, je vais arriver sur le Et du 2. Et la prochaine attaque que je vais donner sera sur le Et du 3, en corde de Sol. Et en fait, je fais la même réponse. Donc je fais la corde de Sol et la corde de Si sur le placement Et 4. Si vous voulez, le Et du 3 plus le 4. Ok. Pour l'instant, j'ai ça. Et 4. Et sur le Et du 4, je rejoins mon Ré. Donc là, je peux très bien avoir la basse toute seule ou l'accord déjà marqué. Ce qu'il va falloir réussir, c'est surtout ça. 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Ok, donc cette fois-ci, vous avez vu, je suis arrivé en Ré sur le Et du 4. 4, et 1. Et le prochain accent aura lieu quand même sur le deuxième temps. Voilà, donc ce Ré 5 dure un temps et demi. Donc cette résonance de Ré nous fait rentrer dans la troisième mesure du refrain, dans laquelle on va retrouver exactement le même placement que dans la première mesure, vous savez, la petite montée, la si do. Rythmiquement, ce sera pareil sur Et 4 Ré. Jusque-là, on a tout ça. 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1. Ok. Ici, pour ceux qui connaissent déjà le titre, vous savez que ben, l'arpège reprend aussi, pareil, donc corde Sol à vide. Et si dans la foulée, placé exactement comme tout à l'heure, donc et 2, et encore comme tout à l'heure aussi, le changement de basse, hein, donc là aussi on a et 2, et ok, avec le changement de basse en si sur le et du 2, cette note si dure un temps, et je termine cet arpège de refrain par l'arpège sol si sol, placé en et 4 et, ok, donc à partir de la deuxième montée, là, je suis en fin de mesure 4. On va se faire un récap de tout le refrain très très lent. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1. Arriver en Sol sur le premier temps, comme là, ou comme c'est que la basse, vous voyez, si je la mets en Et du 4, c'est pas grave du tout. En fait, des fois c'est grave et des fois c'est pas grave. Bon, là c'est pas très grave de mettre la basse du Sol sur le Et du 4, étant donné qu'il y a de toute façon l'accent du deuxième temps qui arrive toujours juste derrière. Donc vraiment, le gros accent de ce refrain, c'est vraiment le deuxième temps. 1, 2, 3. Sur le Sol comme sur le Ré. Ok. Bon, après vous connaissez le morceau, on revient dans le couplet 2 qui est vraiment exactement similaire. Ah oui, sauf qu'il a deux guitares tout le temps. Alors que le premier couplet commençait par une guitare seule et était rejoint par la deuxième guitare qui joue la même chose à la moitié. Ah ouais, je vous dis, c'est du AC/DC quoi, très carré, très basique, mais en même temps, pourquoi changer des recettes qui marchent autant quoi, Alors là, on a presque vu toutes les parties rythmiques. Bon, alors déjà, vous avez la tablature, hein, pour tout ce qui est détails de solo, et même détails de rythmique, comme je vous disais tout à l'heure, les parties Malcolm et tout. Pour ceux aussi qui veulent creuser un petit peu, des fois, dans les liens, c'est vrai que pour aller au solo, il va y avoir un petit aménagement, et pour terminer le morceau aussi. Voilà, donc vous avez tout ça sur la tablature, mais ça n'empêche pas de se faire un petit survol quand même. Alors, pour aller au solo, déjà, le solo aura lieu juste après le deuxième refrain, ok? Donc, on est en train de jouer notre refrain. Ici, Ré. Donc, quand on arrivera au quatrième cycle de ce deuxième refrain, là, effectivement, il y a un événement spécial pour aller au solo. Regardons-le tout de suite. Donc, c'est au moment où vous arrivez en Ré 5. Cette fois-ci, au lieu de faire juste... puis de reprendre la montée. Ici, déjà, il arrive en Ré du 4, comme d'habitude. 4, et... et là, on le répète en croche pendant une mesure à partir du Ré du 1. Donc, 4, et... 1, et 2, et 3, et 4. Ah, je vous ai dit pendant une mesure. Pas tout à fait, puisque là, en fin de cette mesure-là, on a quand même un Sol 5 sur le Et du 4, justement. Donc à partir du Ré, 2, 3, 4, et 2, 3,
également sur le E du 4, et pour deux mesures cette fois. Je vous fais tout ce cycle de refrain. Sol, sol, la si B, arpège, j'arrive en ré. E, 2, E, 3, E, 4, E. E, 2, E, 3, E, 4, E. E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Et c'est là que ça part en solo. Alors je vais vous jouer un demi-refrain pour clarifier avec cette sortie qui va au solo. C'est parti, demi-refrain, hein. Seulement deux cycles. 1, 2, 3, 4 et 1. Alors, si vous êtes d'accord, on va regarder la fin du morceau, comme ça on aura vu toutes les parties rythmiques. Alors, si je me trompe pas, à la fin du titre, on est sur un double refrain, donc il y aurait en tout 8 fois nos 4 mesures de refrain. Et si vous voulez, il y a un bon moyen pour pas se perdre dans le déroulement de la structure, c'est de se dire, quand vous arrivez au niveau de la montée, la si do, du dernier cycle, okay, du 8e cycle, en fait, il va se passer ça. On va faire 3 fois de suite la montée, on va faire la si do, arpège, passe en si, ré, rythmique, et on reprend la si do, arpège, passe en si, ré, rythmique, encore une fois. Donc c'est tout ça, plus 3 mesures de ré en croche. Alors là, vraiment, on joue toutes les croches dans ces 3 dernières mesures. Donc je vous joue toute la fin à partir d'un cycle normal, et juste après, je prends le cycle avec les trois montées. C'est parti, 1, 2, 3, 4 et 1. Allez. Première montée, ré rythmique, deuxième montée. Et ici, plus 3 mesures. 2, 3, 4, deuxième, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et. Donc ça, il faudra s'arrêter bien net là-dessus. Voilà, alors là, on a à peu près fait le tour des parties rythmiques de cette chanson. Je vais changer de guitare, parce que vraiment, le solo avec celle-là, c'est vraiment plus dur. Et on va attaquer tout de suite le solo. Alors, pour le solo de cette chanson, je vous propose de procéder un petit peu autrement. Parce que, en fait, des fois, je trouve ça un peu bête. Tout redire alors qu'on affiche aussi la tablature, donc bon, à un moment donné, voilà, il y a vraiment double emploi, hein, si je vous dis 3 cordes de mi et que vous l'avez sous les yeux, bon, ça sert un peu à rien. Donc je trouve, pour l'avoir vu moi chez d'autres, voilà, sur d'autres tutos de guitare, effectivement que quand on assiste au solo en gros plan ralenti, finalement, on l'apprend tout autant, voire encore mieux. Alors si vous voulez, on est parti dans ce solo vraiment hyper décomposé de You Shook Me. Avant tout, je peux préciser quand même que c'est un solo abordable, hein, il ne s'agit pas d'un solo avec des grosses figures rapides ou des gros écarts ou des trucs d'endurance, il est quand même faisable. Par contre, il y a un moment difficile effectivement en ce qui concerne la précision, la justesse des bends. Voilà, on a un festival de bends ici quand, vers la fin du solo quand il fait... Là on va choper une quarte, juste après avec le même bend, on va choper une tierce majeure, et juste après il fait une tierce mineure en tordant une seconde. Voilà, donc là il faudra quand même bien les contrôler. Sinon, je vous dis, c'est des figures très, très pentatoniques, très, un petit peu convenues comme ça. Et je dirais même là aussi, c'est vraiment basé sur la mise en place, la précision rythmique de toutes ces phrases. Voilà. D'ailleurs, on part beaucoup mieux pour travailler ce solo si on a l'habitude, si on a beaucoup écouté ce morceau. Voilà. Et ça, c'est un des gros avantages des solos dans AC/DC, en général, ça dépend lesquels. Hein. Wool the Tarousie, c'est vraiment dur. En fait, c'est un solo moins lisible. Hein, Wool the Tarousie, c'est pas habituel. Habituellement, dans AC/DC, les solos sont super lisibles. D'abord, ils sont composés, ils sont vraiment vachement réfléchis, il n'y a rien au hasard. Et au final, vous repartez avec un solo que vous pouvez chantonner, quoi. Je veux dire, un solo qu'on peut siffler. Bon, voilà, donc ça, c'est génial, c'est des solos qui chantent et que vous pouvez, je vous dis, que vous pouvez presque siffler en l'apprenant par cœur. Voilà, donc si c'est votre cas, si vous avez une bonne habitude d'écouter ce morceau, en effet, il n'y aura pas besoin de vous faire un croquis pour placer le rythme des notes. Il sera évident pour vous. Ok ? Alors on est parti. On va y aller vraiment comme ça.
Alors ça commence, ouais, quand même, petite précision, ça commence en sol mineur pentatonique, position 1, ok, on est ici, dans l'intervalle, 3e, 6e case. Ok, alors, on commence par le bend de la corde de sol, qui dure 4 temps, je vous le fais. 1, 2, 3, 4, et... Alors je vais vous le refaire une fois et je vais peut-être m'arrêter pour apporter 2-3 petites précisions, petits commentaires. On y retourne. 1, 2, 3, 4 et... Ici, par exemple, j'ai tiré une 10, hein, j'ai fait position 4, je tire la 10, j'ajoute le petit doigt en dessous, je reviens de mon bend et je stabilise là en 8e case. Juste après, je repars de la 8 et je vais tirer cette fois-ci une 11e case. Ok, un full bend instantané. Ok, donc là on décroche, on va aller en première position. Mais octavé, si vous voulez, donc on va faire carrément le bend 18e case de la corde de si, qui en fait qui joue la tonique, hein, il va répéter ce sol aigu. Ok, donc on va tirer ça. Alors c'est là que si vous avez du vibrato main gauche, c'est le moment. Ok. Après on a un ersatz de Chuck Berry avec ces deux 15-15 là. Ok, on revient en 18 de la corde de si, puis là on a un pré-bend. Ok. Voilà, donc ça c'est une 17 déjà tirée en 19. Donc. Ici je répète ma 17 non tirée cette fois. 17, 15. Et ici j'ai deux fois le petit bend 17, 19, mais avec la 20 corde de si. Ok, donc là je fais deux fois la figure et je redescends. Et ici, j'ai un double stop, donc les cases 17, 15, sol et si. Puis la corde de ré toute seule en 17. Et je termine par 15, 15, sol, si, avec un certain slide. Ok. Voilà, donc c'est là qu'arrive le point culminant du solo. Petite note d'appui ici en 15 cordes de si. Et là, on doit aller donc immédiatement, enfin en tout cas instantanément, sur ce bend, full bend, donc 18 cordes de mi. Okay. Et ensuite donc un bend d'un demi-ton de la même case. Ok. Voilà, ça c'est vrai que ça demande un peu d'habitude. Voilà, juste après j'ai le bend, comme je vous disais tout à l'heure, d'une seconde tordue d'un demi-ton. Donc là c'est la 17e case, mais en pré-bend. Ok. J'entends que la descente. Voilà, ensuite je jouerai une 15. Alors là j'ai deux 17, ça c'est aussi un doigté qu'on n'aime pas trop. Si on fait au même doigt, on risque un mélange de notes. Bref, on en est là. Presque fini avec 15 cordes de mi toutes seules. Et rappel de la note. Ok, 18, le bend de la corde de si. Ici, je reviens en 15. Pour jouer mi et si. La 18e case de la corde de si revient. Et là, donc, je termine avec... figure normale, le bend de la corde de sol. Et là, la phrase de conclusion, c'est... Alors, 17, ça. Moi, j'aime bien l'amener en slide, celle-là. Ok, donc 17 cordes de si, 15 cordes de mi. Ça, deux fois, sans le slide la deuxième fois. Ok. Et là, vraiment, la fin, c'est... Encore une fois, la seconde tordue. Là, on peut entendre la montée dans celui-là. 17, 18.
et on entend aussi le release, la descente. Et pour finir, la 15 de l'accord de mi aigu, qui elle peut slider, comme ça on récupère notre accord ici. Ok ? Donc dernière fois, 1, 2, 3, 4 et... Allez, dernière fois a cappella, vitesse normale par contre. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc vous me direz si la séquence solo était un peu trop expédiée ou si finalement vous avez toutes les infos qu'il vous faut comme ça. Peut-être qu'il rentre un peu plus dans l'oreille aussi quand on entend les phrases telles qu'elles sont, plus que quand on les décompose à outrance. Tiens, j'aurais dû le dire à l'intro, en fait moi j'aimerais énormément qu'on fasse un jour ce morceau, ce titre d'ACDC en stage. J'ai presque envie de créer une nouvelle période sur le calendrier des stages pour annoncer un stage You Shook Me. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, voilà, vraiment, j'espère que vous serez nombreux à pratiquer ce tuto. Normalement, je sais déjà que vous êtes nombreux à vraiment adorer cette chanson. Ah oui, avant de vous laisser, juste, je préviens qu'il n'y aura pas de tuto vendredi prochain. Exceptionnellement, à cause des stages, en fait, voilà, si vous voulez, je serai encore à Paris et il aurait fallu que j'aie un tuto d'avance pour qu'il y ait zéro absence sur YouTube. Bon, ce sera pas très grave pour cette fois-ci. On se retrouvera le vendredi d'après à 18h. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Très 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 bon travail sur ce fantastique morceau d'ACDC. Et je vous laisse, comme vous le savez, avec le backing track et la tablature. Bonne guitare à tous! Shake it!